Donc la question à laquelle devait répondre Max Bruchlen est qu'est-ce qu'une lecture littéraire de comment Onfaux fut sauvé. Donc pour m'en emparer, me l'approprier, je vais commencer par un rapide point théorique qui n'est peut-être pas nécessaire et sur lequel je pourrais peut-être passer assez rapidement, mais qui va en fait fonder des points d'analyse de l'œuvre par la suite. Et il sera sans doute, ce point théorique sera sans doute prolongé cet après-midi au sujet de Giono. Pour comprendre la place accordée parmi les classiques de littérature de jeunesse à cette œuvre de Marguerite Yourcenar et sa présence dans les listes ministérielles depuis 2002, il est important d'identifier son intérêt pour l'entrée dans la lecture littéraire que préconise le didacticien de la littérature. Donc nous pouvons commencer par dire que, déjà, nous interroger sur une redéfinition de qu'est-ce qu'on appelle la lecture littéraire quand on est didacticien de la littérature et enseignant. Ce n'est pas, déjà on peut commencer par ce n'est pas, ou ce n'est plus, véritablement, une lecture d'expert, une lecture savante, une lecture autorisée donc par le savoir, celle de l'explication de textes traditionnels scolaires. Il s'agit d'une sorte de lecture ordinaire, je mets des guillemets, mais qui implique le lecteur sur différents plans. Depuis 2002, les chercheurs en didactique de la littérature ont redéfini et précisé les enjeux et les modalités de lecture de littérature à l'école. Donc deux sources théoriques concernant les théories de la réception qui font une partie de la définition. Tout d'abord, Michel Picard considère cette lecture comme l'installation d'un jeu entre le lecteur et l'œuvre littéraire. Avec les apports essentiels de Umberto Eco, pour lequel l'œuvre aménage en elle-même les espaces et les potentialités d'une coopération interprétative. Ce sont les sous-entendus, les implicites, les ellipses, les effets rhétoriques, les symboles, qui sont confiés par le texte à l'interprétation du lecteur. Ils sont programmés dans l'œuvre. Donc, pour en tirer le meilleur, il doit effectuer une lecture active sur le plan cognitif, culturel et mobiliser diverses compétences. Jean-Louis Dufay récapitule, qui est chercheur en didactique de la littérature, je mentionne donc des chercheurs sans préciser leur statut évidemment, récapitule les recherches sur la lecture littéraire et en identifie trois axes. Une posture impliquée, psycho-affective, d'adhésion, où le lecteur s'engage émotionnellement. Et une seconde posture, experte, plus distancée. Donc il y a des théoriciens qui défendent les deux. Hein. Mais défendus par Annie Roussel et Brigitte Michon, qui sont très importants pour la définition aujourd'hui des objectifs et des activités pour la classe, c'est un troisième axe qui considère la lecture littéraire aujourd'hui, et celui-ci demande qu'il y ait des allers et retours, un va-et-vient, entre adhésion et distanciation, pour accéder aux différentes strates de signification de l'œuvre, puisqu'on conçoit l'œuvre comme une sorte de millefeuille de signification auquel le lecteur accède totalement ou partiellement. Quand on est lecteur expert, qu'on maîtrise la lecture littéraire, on accède à un maximum de ces strates de signification. Les études consacrées à la définition des enjeux et des modalités d'une cette lecture littéraire des œuvres s'appuient sur trois pôles, l'auteur, le texte et le lecteur. Mais c'est le sujet lecteur qui est au cœur du processus. Et c'est sur cet axe que j'insisterai dans la suite de mon propos. Cette compétence de lecture littéraire se construit et demande un accompagnement à l'école, et non exclusivement scolaire, mais il appartient aux missions de l'école de former à la lecture, et à la lecture, évidemment, plus particulièrement à la lecture de littérature. L'école aide à entrer dans les différentes dimensions de l'œuvre lue, accompagne le processus de lecture du sujet lecteur, et du coup, aujourd'hui, on préconise de ne pas s'appuyer sur une grille d'analyse académique et de se centrer sur ce sujet lecteur. C'est pourquoi on souhaite favoriser des tâches qui impliquent le lecteur, et ce sera aussi l'angle, la focalisation que je vais choisir. Comme nous le verrons en fin de propos, avec un exemple rapporté par Siganard, la lecture de « Comment Onfaux fut sauvé » peut faire l'objet d'un enseignement qui prenne en compte ce sujet lecteur en privilégiant des outils
individuel, comme le carnet d'auteur et le débat interprétatif. Pour Catherine Dauvron, qui a proposé dès 2002 des alternatives au questionnaire de lecture scolaire traditionnel, une œuvre se doit d'être résistante pour engager ce lecteur sur les plans langagiers, culturels et cognitifs. Sur ce point, nous allons identifier plusieurs caractéristiques de la nouvelle de Marguerite Yourcenar qui confirment qu'elle est particulièrement représentative d'une œuvre résistante, puissante dans son potentiel de signification. Donc, et pour récapituler ce que je viens de dire vraiment de façon très, très rapide, je reprends la citation de Jacques Rinon et de ses co-auteurs pour enseigner la littérature cycle 3. La littérature de jeunesse mise sur la projection du lecteur dans l'univers de la fiction, sur son adhésion à l'intrigue et sur la possibilité qui lui est offerte de prendre ses distances par rapport à elle. Donner au jeune lecteur l'habitude de ses allers-retours contribue à la formation littéraire. Et comme les auteurs de littérature, je le cite toujours un peu plus loin, jouent avec tout un éventail de procédés littéraires qui peuvent s'avérer complexes, le lecteur de littérature jeunesse, comme celui de littérature générale, et ça a de l'importance dans notre propos, ne doit pas seulement savoir lire, mais il doit entrer dans le jeu littéraire proposé par les œuvres. Donc maintenant, regardons quels procédés et quels jeux sont proposés au lecteur dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Alors j'ai mis des références, bien sûr elles sont toutes petites, je ne sais pas ce que ça donne. Donc la nouvelle, qui est préconisée pour la lecture au cycle 3, donc à la charnière de l'école et du collège, est la version réécrite d'une nouvelle de Marguerite Yourcenar, publiée par Gallimard Jeunesse en 1979. Ce texte est qualifié de conte magique dans les textes de quatrième de couverture et de conte philosophique par les fiches du ministère de l'Éducation nationale, qui, je crois, d'ailleurs, la dernière, pour la dernière au moins, a été rédigée par Max Bethlen. Comment Wang Fo fut sauvé concerne, en fait, plusieurs textes et des images de différents statuts. L'œuvre concerne un réseau. Il s'agit d'une adaptation effectuée par l'auteur elle-même d'une de ses nouvelles orientales parues en 1938. Il s'agit de la première du recueil. Selon l'affiche que la maison d'édition Gallimard consacre à l'histoire de ce recueil, Marguerite Yourcenar répond à une commande, et c'est la jeune auteure de Alexis ou le traité du vain combat qui réunit plusieurs nouvelles, dont certaines parues précédemment dans des revues. C'est le cas de Comment Wang Fo fut sauvé, initialement publié dans la Revue de Paris en 1936. Les contes et récits réunis dans ce recueil s'inscrivent dans une vaste géographie orientale, jusqu'au Japon, en passant par l'Inde et la Chine, gardant la trace des voyages de Yourcenar. Dans la postface de l'édition de 1978 dans la collection L'Imaginaire, Marguerite Yourcenar présente Wang Fo comme un, je cite, « grand peintre chinois, perdu et sauvé à l'intérieur de son œuvre. Le motif qui est au centre de la fable est le pouvoir, quasiment magique, de l'art d'un peintre qui donne vie à ce qu'il peint, au sens propre. » Je vais passer donc ce résumé. Je présume que vous connaissez l'œuvre, et de toute façon, en reprenant l'analyse, je vous la rappellerai si ce n'était pas le cas. Le livre préconisé par l'Éducation nationale est l'adaptation pour la jeunesse publiée, illustrée par Georges Moine, dans la collection Fort Images, comme je l'ai déjà dit. Puis ensuite, les jeunes le lisent dans la collection Folio Cadet Rouge depuis 1990, puis dans d'autres rééditions, comme les Classiques Plus récemment, qui doit être là. Voilà, les folio poche, c'est ça que je voulais faire. Je les ai mis sur les diapos, j'ai pas. La nouvelle collection orientale dans la collection Imaginaire et l'enfant image, le collector, première édition de l'album illustré par le monsieur qui est là-bas. ce livre conserve le titre de la nouvelle originale de 1938, Comment Wang Fo fut sauvé. Titre qui ancre l'univers asiatique d'emblée par le nom du personnage. Il faut remarquer que le livre dont nous parlons est donc au cœur d'une chaîne intertextuelle, un réseau de réécriture. Tout d'abord, la réécriture de Marguerite Yourcenar d'une variante occidentalisée, modernisée, d'un récit de culture et de tradition asiatique.
Dans la postface de la réédition de 1978 déjà mentionnée, elle évoque quatre nouvelles du recueil original qui sont des, je la cite, retranscriptions plus ou moins développées de fables ou de légendes authentiques. Et elle précise que Comment Wong Fo fut sauvé est inspiré d'un, je la cite, apologue taoïste de la vieille Chine. Donc elle dit, je la cite toujours, avoir traité à l'occidental une fable orientale. Cette légende ou fable a d'ailleurs inspiré d'autres variantes que j'en ai mis quelques-unes en toute base, qu'on peut retrouver en littérature de jeunesse, qui sont en fait une extension intertextuelle de la même source. À cette première phase de réécriture s'ajoute celle qu'elle effectue à la demande du département jeunesse de Gallimard pour une publication d'enfant-images. Marguerite Yourcenar a choisi la plus poétique de ses nouvelles pour cette adaptation vers le jeune public. Ce second livre est doublement réécrit. Le texte est modifié par l'écrivaine pour être lu par de jeunes lecteurs d'une part et modifié avec les illustrations de Georges Lemoine qui l'accompagnent. Puis ensuite, nous pouvons considérer, aujourd'hui, dans cette journée plus particulièrement, qu'il y a d'autres réécritures comme celle de la réécriture filmique de René Laloux pour le cinéma d'animation qui adapte la nouvelle de 1938. Cela offre un joli tissu pour les groupements littéraires et les projets. Une fois située l'œuvre dans cette dimension transtextuelle, regardons maintenant le livre paru en feuille de poche, en gros ce que les élèves, les jeunes doivent lire, tout d'abord du côté du texte adapté par son auteur avant de regarder les images. Sandra Beckett étudie cette réécriture de Comment Wong Fo fut sauvé de Yourcenar dans son ouvrage De grands romanciers écrits pour les enfants de 1997. Elle effectue une analyse précise dont je vais rappeler des points principaux qui me semblent parlants sur ce qui est joué en termes d'adhésion, c'est-à-dire que ce que l'auteur a construit par rapport à l'adhésion, mais bien évidemment ce qu'elle a aussi élaboré par rapport à la distanciation. Donc Marguerite Yourcenar insistait beaucoup sur le rôle important que la réécriture jouait dans son art littéraire. Elle a pratiqué deux types de réécriture dans l'ensemble de ses œuvres, celle des contes et mythes, histoires préexistantes qu'elle s'appropriait, et ses propres textes qu'elle réécrivait pour se corriger, je la cite. Mais avec ce titre, elle expérimente aussi un troisième type de réécriture, celui pour la jeunesse. Je cite Sandra Beckett. Comment Wong Fo fut sauvé constitue un exemple relativement rare dans la littérature d'une double réécriture qui consiste à reprendre une de ses propres œuvres. À notre connaissance, le seul auteur français à avoir pratiqué cette réécriture au second degré, le terme est de jeunesse, je le précise, est Michel Tournier. Tandis que les textes réécrits pour enfants par Tournier ont déjà inspiré de nombreuses études, le seul projet de réécriture de Yourcenar pour la jeunesse n'a pas attiré l'attention des critiques. Elle note un peu plus loin, même que dans le cadre d'un colloque, les spécialistes de Yourcenar, les Yourcenariens et les Yourcenariennes, semblaient tomber des nues concernant cette réécriture et cette adaptation pour la jeunesse qu'ils ne connaissaient pas. De façon comparable au Vendredi ou la vie sauvage, qui est une réécriture de Vendredi ou les lames du Pacifique, qui lui-même est une réécriture du Robinson de Defoe, d'accord ? Comment Wong Fo fut sauvé est donc une réécriture qu'on appelle au second degré. Donc là, je replace quelques éléments de théorie. Un hyper-hypertexte ou un OSS, un objet sémiotique secondaire, si on adopte la désignation de Brigitte Huichon, autre didacticienne que j'ai mentionnée. Cette dernière considère même que ces réécritures au second degré et toutes les réécritures d'adaptation sont des manifestations d'une réception qu'elle désigne comme « texte de lecteur », entre guillemets. Toute œuvre seconde d'adaptation, d'actualisation, de réécriture est œuvre de lecture et d'interprétation de l'œuvre première. Cela joue par rapport aux perspectives didactiques dont je vais parler tout à l'heure et par rapport à ce que l'on peut considérer comme travail de réinterprétation par l'image dont je vais parler également. Pour cette réécriture, afin que le jeune lectorat puisse adhérer, Marguerite Yourcenar opère différentes modifications. Tout d'abord, une réduction de plus de 50% du texte, une véritable compression. Elle maintient la trame, mais retire de nombreux passages, comme par exemple celui qui raconte la vie privilégiée de Ling, je pense qu'on la verra dans le film, avant qu'il ne rencontre le peintre, et avant qu'il ne délaisse ses proches et disperse ses biens,
pour devenir son disciple et partir sur les routes à ses côtés. Ainsi, un long passage d'Analeps est effacé, de façon à faciliter l'entrée dans la lecture, évidemment. Avec cette entrée plus directe, sur le don exceptionnel de Wang Fo, dès le début, elle crée une accroche de lecture qui peut être rapprochée des procédés de conte traditionnels. La magie des peintures de Wang Fo et l'origine de l'admiration de son disciple Ling sont conservées avec des exemples, mais de façon réduite. C'est le cas aussi pour l'explication du dévouement de Ling pour le peintre. Ce sont donc préservés au final les passages essentiels sur la nature du lien qui unit le duo du disciple et du maître. Les retraits produisent un récit majoritairement linéaire, à l'exception d'un moment où l'empereur revient brièvement sur sa jeunesse pour expliquer les raisons de sa rancœur envers le peintre Wang Fo. Cette partie est réduite dans le livre de 1979, mais maintenue, car sans elle, le lecteur ne comprendrait pas les raisons de la condamnation et du châtiment imposé au peintre. Au final, Yursena opère une simplification avec des coupes, retirant également des descriptions, car une des qualités de la nouvelle originale, c'est la quantité et la beauté aussi des métaphores, des comparaisons, des figures métonymiques et des descriptions poétiques. Donc elle retire, efface une partie de son style originel pour la jeunesse. Mais il en reste. Le style de la version pour enfants est plus léger, plus simple, plus direct que celui de la version adulte, mais le dépouillement lexical est parfois absolument pas signe d'une adaptation vers l'enfance, d'une recherche de facilité, mais plutôt d'une recherche de qualité. L'écrivaine réécrit des passages pour améliorer son propre texte, une réécriture à l'infini qu'elle pourrait poursuivre, car elle aime se corriger, comme je l'ai déjà dit. Elle est une adepte du travail de réécriture et de perfectionnement du style. Elle conserve donc de la complexité et maintient un lexique assez soutenu, en préservant également une partie des images poétiques. Les comparaisons avec les fleurs, par exemple, qui sont fréquentes, qui sont reprises à plusieurs reprises dans la nouvelle originale, disparaissent, à l'exception juste du lotus évoqué pour la tête de l'empereur flottant dans la salle du palais inondé. Mais si Yursena abrège, elle effectue aussi quelques ajouts d'ordre didactique. Ça veut dire qu'elle recherche à l'accroche, l'adhésion et de ne pas perdre ses jeunes lecteurs. Elle insère des éléments montrant sa préoccupation de la compréhension de ses jeunes lecteurs sur plusieurs aspects, notamment liés au contexte. Dans l'incipit, donc l'entrée dans le texte, le texte dit « Le vieux peintre Wang Fu et son disciple Ling vagabondaient le long des routes du royaume des Han ». Elle ajoute, pour la jeunesse, le royaume des Han, c'était le nom qu'on donnait en ce temps-là à la Grande Chine. Un peu plus loin, elle a retiré de nombreux passages qui expliquent, en gros, la relation et la transaction dans le duo disciple-maître. Et elle, pour s'y substituer, elle propose, Ling, en échange de leçons, lui donnait tous les soins qu'un disciple donne à son maître. Et plus loin, quand les soldats barbares de l'empereur s'emparent de Wang Fo pour l'emmener au palais, elle utilisait le terme « rugissement ». Et dans la réécriture pour enfants, elle propose simplement, elle explique en fait qu'elle rugissait comme des bêtes fauves. C'est juste, ces petits exemples montrent juste en fait qu'elle avait une véritable préoccupation de la réécriture et de l'adaptation pour la jeunesse, qui n'était pas que quantitative mais aussi qualitative. Elle cherche aussi l'adhésion à son univers, mais elle refuse d'appauvrir avec excès son vocabulaire, comme le montre tout un lexique qui est conservé. Les portefeuilles, la soupe de miel, la litière, les flambeaux, etc. Sandra Beckett juge que la version réduite et dépouillée offre une, je la cite, « qualité épurée et distillée, rapprochant comment Wang Fo fut sauvé des contes du grand maître en Vincennes. Elle ajoute que de nombreux lecteurs adultes qui préféraient aussi Vendredi la vie sauvage à la première version de Tournier ont une prédilection pour la version de Comment Wang Fo fut sauvé de 1979, récit plus concis, plus limpide que la version adulte. C'est peut-être pourquoi aussi les professeurs continuent à la faire lire au troisième et parfois au second pour les projets. Sur le plan des grands axes de signification symbolique qui font l'épaisseur du conte, son questionnement philosophique et l'essentiel du message est préservé, même si l'auteur a atténué la dureté de certaines idées et des images. Et elle a également effacé toutes les méditations plus abstraites du texte original.
Yourcenar préserve les symboles et laisse la fin dans l'implicite. Dans la seconde version, elle maintient la résistance de son premier texte et ne réduit pas son ambition pour l'adapter aux jeunes. Quels éléments sont offerts à l'interprétation et à la pensée du lecteur littéraire? Au final, la célébration et la puissance de l'art, le pouvoir du peintre, la célébration de la puissance de l'art et le pouvoir du peintre sont au cœur du récit. C'est cette vision d'artiste qui manque à l'empereur. C'est un sens important que les jeunes lecteurs doivent construire. Ils doivent comprendre les buts, les attitudes et les différences entre les postures des différents personnages dans le conte. Cette vision d'artiste qui manque à l'empereur, qui a longtemps imaginé le monde à travers les peintures de Renfaux parce qu'il était enclos dans son palais jusqu'à l'âge de 16 ans, le fils du ciel, le dragon céleste comme elle l'appelle, ressent une déception amère devant le dur monde réel. Alors que Ligne accède à la transcendance que l'art du peintre lui propose et qu'il entre dans la démarche de l'artiste, il découvre donc le monde grâce à l'art avec un regard neuf. Alors donc l'empereur, de son côté, ne parvient pas à relier l'art au réel et à en admettre l'embellissement. Il ne comprend pas, tout bonnement, le lien entre œuvre d'art et réalité. Le mystère, la magie de la peinture de Renfaux dans le conte, reste énigmatique dans son adaptation. Elle est constitutive de la scène finale. Car comment Renfaux fut sauvé est aussi un récit sur la transcendance de la mort, comme l'annonce clairement le titre. Ligne est ressuscité par l'art, réapparaissant dans la peinture que Renfaux reprend sur l'ordre de l'empereur pour l'aider à s'enfuir sur une barque à peine finie d'être peinte sur le tableau. Je cite le texte, « L'empereur regarde la barque de Wang qui n'était plus qu'une tache imperceptible. » Plus loin, « Le peintre et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Renfaux venait d'inventer. » En fait, Yourcenar est attaché aux thématiques de la mort et du sacré, comme le mentionnent de nombreux chercheurs spécialistes qui s'intéressent à la production yourcenarienne. Je peux faire référence à une thèse de Marie Mazielou de 2011 qui analyse tout le discours sur l'œuvre et qui met en évidence cet axe important de tous ces livres. La thématique de la mort qui hante toute l'œuvre yourcenarienne, est fondamentale dans la nouvelle comme Renfaux fut sauvé. La violence, la cruauté et la mort sont essentielles au conte oriental. On comprend donc qu'il n'ait pas été effacé et qu'il soit à conquérir dans la lecture pour lui donner du sens. En réécrivant cette histoire pour de jeunes lecteurs contemporains, Yourcenar s'efforce cependant d'atténuer certains éléments afin de ménager la sensibilité de son public. Donc elle efface par exemple toutes les mentions répétées des couleurs des cadavres ou du pourrissement des chiens qui sont dans la nouvelle originale, mais elle maintient la présence de la décapitation et du sang sur le pavement. Elle présente la mort associée à la résurrection, grâce à une sorte de miracle de la peinture. Yves Alain Favre, qui fait partie de ces chercheurs yourcenariens dont je parlais tout à l'heure, rappelle « Chez notre écrivaine, la conscience du sacré est intimement liée à un sacré de la conscience, qui s'articule dans le rapport du sacrifice et du surnaturel. Tout est dans Renfaux. Il y a des figures, poursuit-il, qui fournissent un exemple privilégié d'hommes qui tentent de dépasser les limites de la condition humaine et révèlent la présence de l'absolu, avec un grand A, je le signale, par l'héroïsme, l'amour, l'art et la sainteté. » Ce petit propos semble concerner particulièrement la nouvelle dont nous parlons. Donc nous comprenons bien que du côté du texte, ce que peut signifier une œuvre résistante. Et nous pouvons comprendre aussi ce qu'ont dit Jacques Rinon et ses co-auteurs. Les fictions pour la jeunesse ne peuvent se laisser enfermer dans une définition simplificatrice. Ces textes comportent suffisamment d'éléments pour permettre l'adhésion du lecteur auquel ils sont destinés. L'auteur doit ainsi envisager la compréhension de son texte autant que son intérêt, car il associe le projet esthétique à une indispensable prise en compte du lecteur enfantin. Même si cette littérature s'adresse le plus souvent à l'enfance, elle n'est pas forcément dénuée de profondeur, de référence et d'implicite. Donc tout est là, face au lecteur, pour l'adhésion et pour la distanciation. Regardons à présent la part de l'écriture par l'illustration. Comment Renfaux fut sauvé? Oups, pardon. Ah, il y a eu des transformations. Bon, c'est pas grave.
Comment Faux fut sauvé est accompagné des illustrations de Georges Lemoine depuis sa première parution, donc en 1979, et ce sont ses couvertures, le visage de Wang Faux créé par Georges Lemoine, qui fait face au lecteur pour qu'il ouvre le livre. Avec ces images, il communique sa propre lecture de l'œuvre et produit un accompagnement qui est cohérent avec l'ambition de l'écrivain, et j'espère que je vais pouvoir vous le faire apparaître. Il déploie un jeu avec les significations du conte et de la fable orientale. Mon sujet de recherche m'avait permis d'analyser la posture de lecteur de l'illustrateur, qui s'avère, dans le cas de M. Georges Lemoine, être celle d'un lecteur littéraire, non pas de formation, mais un lecteur impliqué et qui travaille aussi sa propre distanciation pour créer des images sur les œuvres qu'il illustre. C'est-à-dire qu'il, genre, aussi entre empathie et distance. Ça me fait drôle de parler de... Je comparais la réception de l'illustrateur Georges Lemoine avec celle d'un traducteur qui développe un travail de lecture spécifique sur de nombreux niveaux, tient compte de la démarche créative de l'auteur du texte, afin de créer des choix qui guideront sa mise en forme pour la langue cible. Même si, bien sûr, l'analogie avec le traducteur est très partielle, parce que les transpositions n'ont rien à voir au final et ne sont pas intégrales, évidemment. Il est envisageable que l'élaboration du sens dans la lecture s'appuie sur un processus comparable. Dans les deux opérations, le travail de compréhension est ambitieux, quand on respecte de la démarche de l'auteur et exigeant de la communication au lecteur d'une authenticité de l'œuvre. Et l'étude des carnets de création de l'illustrateur, permet de témoigner de ces dimensions et de la forte implication avec des processus à différents niveaux pour créer une interprétation illustrée de l'œuvre. Donc il faut savoir que la réception de lecture de Georges Lemoine, je n'ai pu l'étudier parce qu'elle est recueillie dans des carnets qu'il a tenus pendant de nombreuses années, et que dans le cas de Comment on fout, il s'agit du carnet numéro 19. Du carnet numéro 19, donc, qui s'est opéré l'année précédente en 1978, et qui rend compte d'un fort investissement dans la création de ces images-là pour ce projet-là. On y trouve toutes sortes de notes de lecture. Et dans les carnets qui suivent, l'implication a tellement été, je pense, forte, et l'adhésion à l'univers de Lyon-Senard. Dans les carnets qui suivent, dans les années 80, on retrouve, genre, je me permets de dévoiler, le fait que l'illustrateur a lu de nombreuses autres œuvres de Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir, Les mémoires d'Adrien, qui sont mentionnées dans les pages. Donc la lecture s'est prolongée au-delà de la volonté d'illustrer. Du côté de l'implication émotionnelle, je souhaite prêter attention au portrait frontal du prince qui plonge son regard dans celui de lui. Excusez-moi, ça c'est les pages du carnet. Je vais montrer différents types de... Par exemple, le portrait frontal dont je vais parler et que je vais montrer est déjà pratiquement tel que prévu dans un des premiers crayonnés. Tu veux réagir maintenant ? Non, juste rappeler que la couverture que tu as mise sur ton bureau à ta gauche, c'est une interprétation frauduleuse de l'éditeur. Ah bah tu le préciseras tout à l'heure. Je n'ai jamais donné l'accord. Représenté. Non, on ne l'a pas demandé. Je n'ai pas vu en plus. J'ai vu le résultat, c'est tout. D'accord. Bon. Mais on n'a jamais. Voilà, ça s'est fait dans mon dos. Oui, ils ont prélevé une des planches qui était à l'intérieur de la série initiale, enfin avec des aménagements. Juste un mot comme ça, Pierre Marchand ou Jean-Olivier Héron, qui étaient les deux créateurs de Gabi Marjanès, qui n'étaient pas encore Gabi Marjanès, ne m'ont jamais donné Pierre, ne m'ont jamais ni Olivier. Ne m'ont jamais donné la moindre consigne ou intention ou direction. Bah, je pense que tu vas pouvoir nous parler de tout ce processus. Ça aurait pu se faire. Oui, mais du coup, c'est bien le résultat de cette lecture et de la confrontation avec le texte et du projet d'un livre vers la jeunesse qui ont guidé tous les choix artistiques qui ont été faits. Donc là, on voit les différents visages jusqu'aux collections les plus récentes, les collections audio, etc. Donc la reprise de ce portrait frontal. Alors pour ma part, bien sûr, il est
très efficace dans son accroche vers le lecteur, parce que ce regard, en fait, est une invitation à plonger dans le mental de ce peintre, dans l'univers de ce peintre, d'autant plus qu'il est présenté avec une avec la superposition d'un motif sur lequel je vais revenir. Mais ce regard frontal vers le lecteur, c'est vraiment une incitation à l'implication dans le conte, dans l'aventure, dans la vie et le récit de Marguerite Yourcenar. Et les illustrations célèbrent la communion harmonieuse du peintre avec ceux qui l'entourent. Tiens, c'est bizarre, j'ai vraiment... Je me demande si j'ai la dernière version, mais peu importe. Alors, je vais me débrouiller. Oui. Tu prends la parole tout à l'heure. Hein, Oui, mais tu proposes les images et envie de réagir. Oui, bah oui. Le visage de Montfaux. Bah oui. Est directement inspiré par une photographie de Claude Roy. Oui. Par une photographie de Claude Roy. Oui, il y en a. C'est un magnifique album édité dans les années 50 en Suisse qui s'appelle La Chine dans un miroir. Il y a un portrait. Claude Roy lisait et traduisait le chinois et il a amené son appareil photographie dans un voyage en Chine et il a photographié un vieil homme sublime dont mon interprétation est sortie le bon faux que l'on a sous les yeux. Et en fait, c'est un processus qu'on va retrouver dans les carnets de lecteurs. L'association d'images du monde, de photographies, d'œuvres d'art, et ça, aux lectures. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans la réception une sorte de recherche de liens et des évidences qui vont apparaître tant du côté des lecteurs, des collégiens, hein, dans les dispositifs qu'on peut préconiser avec les carnets de lecteurs notamment, que dans le cadre de l'illustration. C'est pour ça qu'il me paraissait intéressant de faire le lien, parce qu'on est en fait dans le même type d'opération. Je voulais signaler qu'il y a trois compositions dans l'album qui célèbrent la communion harmonieuse du peintre avec ceux qui l'entourent. Le paysage, les petites et les grandes choses, comme le ciel. C'est-à-dire là, je ne sais pas si vous le voyez sur ce... le croissant de lune s'inscrit dans l'œil gauche de Wang Fo, et les paysages, la terre et le ciel s'inscrivent donc dans sa présence. Mais également les petites choses, ici sur l'image gauche, sur le sol, comme la poussière, les taches, les cailloux et les feuilles, qui sont transcendées par le regard du peintre. Donc là, il y a de véritables correspondances avec ces trois illustrations, avec ce que le texte dit, pour en faire percevoir aussi les différentes dimensions. Pour communiquer cela, l'illustrateur choisit de composer donc des images relativement sophistiquées, par la superposition des motifs dans une même illustration, mais très visible, qui participe à la distanciation avec ce motif qu'il faut pouvoir comprendre, celui de la fusion avec le monde, la fusion avec les paysages. D'un côté, elle signale qu'il faut interpréter quelque chose, au lecteur, parce qu'elles sont surprenantes, et de l'autre, elle n'en délivre pas quand même totalement la signification. Il faut encore traiter l'image pour revenir au texte avec des allers-retours qui sont souhaitables, évidemment, dans la lecture texte-image. Elles mettent donc sur une piste. Ces trois illustrations sont construites à partir de procédés de superposition. Elles sont un peu énigmatiques et laissent interpréter, surtout dans leur répétition également, un rapport magique au réel, tout en invitant, en même temps, dans le même mouvement, à une contemplation. La fusion entre le peintre et ce qui l'entoure est exprimée sur le visage ou sur le corps du peintre. Sur la dernière, cela entre évidemment en adéquation avec l'univers du conte, en adoptant une forme occidentale d'une conception asiatique de la représentation, sans être un procédé emprunté à l'art asiatique, parce qu'il ne s'agit pas de chinoiserie, comme on pourrait le dire de façon péjorative. Je mentionne cette fois le philosophe François Julien, qui dit que certaines représentations dans l'art asiatique traditionnel explorent l'art du détour et de l'allusion. Il faut dire que Georges Lemoine, sur ce domaine, est particulièrement maître. Les représentations du monde, que ce soit dans la représentation peinte, la poésie ou dans l'art du jardin asiatique, évidemment, sont révélées par des détours, des indices qui jouent sur l'écart, le silence, le non-indiqué. Donc là, par exemple, on ne voit pas ce qu'il y a sur le tableau, mais cela s'imprime sur le corps de Manfo. On ne voit pas l'ensemble du paysage, mais il s'inscrit sur le sol des deux marcheurs.
Il s'agit d'une approche de l'essentiel par l'implicite. Donc, à ce niveau-là, les illustrations collaborent au niveau les plus complexes de la lecture littéraire. De plus, une image permet de comprendre de façon claire et synthétique, celle de gauche, le lien entre les deux, le maître et le disciple, entre Wangfu et Ling, au fil de leur errance, et le fait que leurs déplacements dans l'espace construisent leur lien, grâce à la similitude des deux pas qui se suivent sur le haut de la page. Enfin, l'illustration qui le présente face à la peinture inachevée compose une vision absolument remarquable de synthèse du rapport du peintre à sa création, avec tout simplement, tout bonnement, la fusion visuelle. Bon, ça c'était pour réparti. Mais la mort, donc autre aspect important de l'œuvre de Yourcenar, la mort et la violence ne sont pas édulcorées dans les illustrations. Georges Moine crée des illustrations qui, comme dans le texte, ont préservé l'essentiel, réduit, atténué, soit par Yourcenar, mais non effacé. Et l'illustrateur représente donc la mort, la violence, la décapitation dans ces images des livres qui s'adressent bien nettement aux enfants. Donc, il faut savoir que pour sa part, l'illustrateur représente la mort, le sang et la violence dans d'autres images de ses livres pour enfants. On peut citer Le prince heureux d'Oscar Wilde, Le méchant prince d'Andersen, Le rossignol de l'empereur d'Andersen, Baladilou de Clésio et d'autres. Du côté de la distanciation, nous pouvons relever plusieurs manifestations dans les illustrations. Avec Sandra Beckett, nous pouvons constater que le moine a lu le conte des Nouvelles Orientales pour illustrer son adaptation de jeunesse. Les illustrations en témoignent. Par exemple ici, la petite vignette où vous voyez ce visage verdi correspond sans doute à cette couleur de cadavre que Marguerite Yourcenar a effacée, mais qui est restée peut-être dans la mémoire de lecture, c'est une hypothèse, hein, je n'ai rien vérifié évidemment, l'illustrateur. Les métaphores et les comparaisons avec les fleurs, majoritairement effacées de la réécriture, comme je le disais tout à l'heure, reviennent avec la présence de pétales utilisés de façon métaphorique et détournés dans les images. Le pétale de la tache de sang en face du pétale qui représente le sol, le pays arpenté. Là, ce sont les deux vignettes de gauche en vis-à-vis. Deux pétales pour représenter deux scènes différentes. L'art qui embellit le réel est aussi présenté de manière ambivalente, car le peintre Wangfu trouve de la beauté dans l'horreur. Pour cela, un exemple dans l'illustration, le fait de présenter cette image de décapitation avec cette jolie tache rouge sur un fond vert renvoie littéralement à ce que le texte dit, c'est-à-dire qu'après la décapitation de Ling, Wangfu ne peut s'empêcher, même désespéré, dit le texte, d'admirer, je le cite le texte, la belle tache écarlate que le sang de son disciple faisait sur le pavement de pierre verte. L'illustrateur choisit donc de représenter le sang à la tête coupée de Ling, mais afin d'aider à s'arrêter sur l'attitude paradoxale de Wangfu face au sang du disciple et faire réfléchir peut-être le lecteur, il donne cette forme de pétale à la tache, créant une image quasiment contradictoire, c'est-à-dire séduisante et relativement horrifique. Cette pétale de fleurs symbolise le regard d'embellissement que Wangfu porte sur ce qui l'entoure, mais la mise en page et l'image de le moine, la place par le vis-à-vis, avec une autre pétale, représente le monde qu'il sublime par son regard. D'ailleurs, l'illustrateur aime jouer de la correspondance silencieuse entre deux images placées en vis-à-vis. Alors, attendez, excusez-moi. Par exemple, ici, le pince. Je ne sais pas tous. Le pinceau, le pinceau qui trempe dans le bol face au serviteur apparu après sa mort. C'est le pinceau qui ressuscite. Donc les images sont placées en vis-à-vis et construisant des liens de cause à effet qui pourraient peut-être échapper à un lecteur rapide. Et également en vis-à-vis, l'envol, dont je disais, l'envol de l'oiseau et la barque qui s'éloigne. Les deux symbolisant, représentant à ce moment du passage du texte, la liberté et la fuite. La tête décapitée de Ling, répond à la page suivante, les têtes de l'empereur et des courtisans qui flottent dans la salle du palais inondée. La tête flottante comme une fleur de lotus de l'empereur, les nattes des courtisans comme des serpents, dit le texte. Il aide ainsi la représentation des métaphores du texte et leur mise en relation, tout en proposant par cette image
onirique, quasiment onirique, une entrée dans les couches les plus complexes de l'œuvre de Yourcenar. Mais l'illustrateur choisit de ne pas tout représenter, de ne pas tout accompagner. Par exemple, les larmes du peintre, qui sont mentionnées 3 fois dans le texte, sont laissées au texte. Et il ne le montre pas. Seule la tête penchée et pleurée évoque son chagrin dans plusieurs pages. Les illustrations qui produisent une interprétation de l'œuvre en sont évidemment une médiation quand elles ciblent l'attention sur un passage, un personnage, une métaphore, un symbole. Cela peut donner, participer à l'adhésion, mais ça peut aussi accentuer un détour pour la réflexion. Elles peuvent donc servir d'appui pour penser le texte et arriver sur les niveaux interprétatifs ciblés par la lecture littéraire. C'est ce qui est raconté ici, dans « Comment ou en faut par sauver, fut sauvé » par la relation du texte et de l'image. Sur ce plan, pour finir, avec une ouverture vers la médiation scolaire, je souhaite évoquer une pratique qui permet de comprendre comment le conte de Marguerite Yourcenar peut être lu en privilégiant le sujet lecteur. Voilà. Le sujet lecteur dans le cadre d'une séquence de lecture littéraire. Il s'agit d'un exemple de médiation parmi d'autres. Mais on pourrait mentionner le dessin, la lecture répressive, la théâtralisation, toutes sortes de modalités qui font entendre le texte également. Sylvana, professeure d'université, chercheuse en didactique de la littérature, rapporte une expérimentation pour la lecture de « Comment on fut sauvé » au collège et au lycée, dans un article que j'ai mentionné ici, d'une lecture empirique à une lecture subjective argumentée. C'était dans le cadre d'un colloque de didactique. Elle présente donc une séquence didactique destinée à une classe de 3e, intitulée, par l'enseignant, « Peindre et écrire les mots et les images dans comment Rumpfau fut sauvé ». Notons qu'il s'agit de la lecture en 3e de la version adaptée, celle que nous venons d'analyser, hein, qui s'avère suffisamment complexe pour alimenter une lecture littéraire et un plaisir de l'interprétation bien au-delà de la petite enfance. Je regrette que la chercheuse en question, pourtant je la connais, ne précise pas si les élèves avaient les illustrations ou pas. Mais ça changera un petit peu, ça changera peut-être l'analyse. Cela s'inscrit dans un propos qui préconise comme modalité de lecture littéraire le carnet de lecteur. On y revient, le carnet qui recueille la lecture pour pouvoir la penser. Avant et après un débat d'interprétation. Il est donc proposé aux élèves d'écrire leur lecture et d'y associer des images. Le professeur a demandé, c'est sa consigne, une reproduction de tableaux d'œuvres d'art qui fassent écho à l'univers fictif. Il apparaît que pour un grand nombre des collégiens de cette classe, illustrer, représenter, signifie montrer qu'on a compris le texte. Donc, par conséquent, une majorité de reproductions ont été chercher une marque dans un décor oriental, une interprétation relativement littérale et décorative peut-être. Mais quelques élèves de 3e, sur lesquels Sylvana insiste, ont toutefois proposé une reproduction montrant qu'ils s'étaient approprié le texte et leur sur les plans de la lecture littéraire que nous cherchons à construire. Leurs justifications, au moment du débat, ont non seulement été convaincantes, mais elles ont permis à la classe de mener collectivement une démarche d'interprétation. Ce sont donc ces carnets, et le débat des préceptifs qui ont été actifs au niveau du groupe des élèves de 3e. 3 exemples de ces images choisies par ces quelques de qualité. Un élève a choisi un tableau religieux occidental du XVIIe siècle et justifié son appareillement par la distribution des rôles des personnages aux anges, à un vieil homme au centre du tableau et même à Jésus-Christ qui représenterait l'empereur qui surplombe la scène et juge. Cet appareillement très singulier est fort éloigné, a priori, de l'univers oriental médiéval de la nouvelle de Marguerite Yourcenar. Quoique, nous y reviendrons. En s'appuyant sur sa culture personnelle, cet élève montre que implication et distanciation sont conciliables. Un autre collégien a retenu une photographie qui représente un paysage féminin scrutant un horizon marin. Et la justification qui a été donnée dans le carnet, c'est qu'il évoquait ce personnage pourtant féminin qui n'est pas absent du texte, la volonté, le besoin de s'évader du monde du quotidien, à l'instar de Wangfo et de Ling qui s'évadent à la fin du récit. Un troisième a également proposé une étendue marine et convoquant parfois, par contre cette fois, sa bibliothèque intérieure. On peut renvoyer à Pierre Bayard. Il a vu en Ling le charron du Styx et de la mythologie grecque, le passeur du fleuve séparant le monde des vivants et celui des morts,
qui, au final, emmène Mangfall avec lui. Ses élèves ont donc compris qu'il était attendu d'eux une appropriation personnelle de la nouvelle. Ils se sont emparés d'une activité qui les privilégiait en tant que sujet lecteur pour pouvoir accéder à une lecture littéraire. Car une posture de lecture impliquée ne se garantit pas seulement par l'engagement psycho-affectif ou intellectuel. Il s'agit de lire aussi avec toutes les dimensions poétiques du texte, hein, bien sûr. Et donc, les enseignants sollicitent les perceptions sensitives des élèves par le biais de l'image, de la lecture en voix ou autre. Pour finir cette fois, tout à fait, promis, je souhaite souligner plusieurs coïncidences troublantes entre ces exemples et les illustrations de Georges Lemoine et l'œuvre de Marguerite Yourcenar, qui n'en reste pas à l'illustration littérale, bien sûr, littérale, comme je l'ai montré, ni à la référence asiatique pour accompagner l'œuvre. Ce qui montre bien que quand les motifs sont inscrits dans le texte, parce que c'est ceux-là qui sont illustrés ou choisis par les lecteurs de troisième, qu'ils engagent une coopération interprétative, on accède à une lecture à plusieurs niveaux. Georges Lemoine représente des motifs asiatiques, soit un peu stéréotypés peut-être, parce qu'il copie un portrait de vieil homme asiatique, qu'il reprend aussi le motif très connu des montagnes asiatiques, des rouleaux peints chinois, traditionnel, les costumes des soldats, le portrait de l'empereur en costume brodé que j'ai montré tout à l'heure, mais je souhaite souligner, comme je l'ai déjà dit, que ces illustrations ne vont pas du tout concéder à des chinoiseries du tout. Tout d'abord parce qu'il choisit une technique légère qui s'approprie, qui lui permet de traiter avec délicatesse les scènes qu'il montre, mais ce n'est pas une imitation soit des estampes, soit des rouleaux peints asiatiques, d'accord ? Mais par contre, il emprunte des constructions à l'art religieux occidental, ce que j'avais pointé pour plusieurs de ces illustrations dans le cadre de ma thèse. En fait, dans les planches de l'illustration, je vous montre juste pour quand même évoquer ce dont je parle, dans les planches de l'arrestation, il évoque nettement, selon moi, l'iconographie chrétienne du Nouveau Testament avec l'arrestation du Christ. Un lien s'établit avec le choix du collégien, mentionné plus haut, qui va puiser dans le répertoire iconographique chrétien occidental pour interpréter le conte de Yourcenar. Et cela entre particulièrement en adéquation avec l'univers littéraire de Yourcenar qui nous tisse ensemble les références au sacré et les influences mythiques occidentales, chrétiennes, médiévales et antiques. Cela confirme d'une part que l'œuvre de Yourcenar, même résistante, délivre à des lecteurs de tous âges, de troisième, des illustrateurs plus âgés, adultes, des références, des significations en rapport avec son univers d'auteur qui passent dans les blancs du texte et dans ce qu'elle raconte, dans ses choix d'écrivaine. Et cela confirme un certain parallélisme entre les différentes réceptions d'une même œuvre, même si cela passe par des images différentes. En définitive, la création d'illustrations par Georges Lemoine met en abîme le processus de lecture littéraire en jouant sur l'adhésion et la distanciation pour mettre en évidence sa pensée de lecteur de l'œuvre « Comment Wangfall fut sauvé » de Marguerite Yourcenar. En livrant cela aux lecteurs, il peut leur ouvrir les voies pour leur propre lecture littéraire. Je...